Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Fish and Tips. Aujourd'hui, on est à côté de Saint-Malo, dans le showroom de Propulsion Sailing, en compagnie de Manon. Manon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente pour ce troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler de la pêche du bar en kayak et je vais laisser Manon, dans un premier temps, se présenter et présenter sa pratique. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Manon. Ça fait bientôt 5 ans que je suis chez Fish. Je pratique essentiellement la pêche du bar en kayak et on a la chance aujourd'hui de pouvoir tourner la troisième vidéo du Fish and Tips dans le magasin où je travaille tous les jours. Comme je disais juste avant, on est en baie de Saint-Malo. Manon, est-ce que tu peux nous décrire un peu le type de zone qu'on va retrouver ici ? Ouais, alors ici on va avoir plusieurs types de zones. On va avoir des ports, des estuaires, on va avoir des plages, principalement de sable avec une bande rocheuse. On va avoir aussi des têtes de roche, des parcs à huîtres. Voilà principalement les zones qu'on peut retrouver ici. Et toi, dans toutes ces zones, quelles sont celles que tu affectionnes le plus ? Alors moi, je vais principalement chercher les zones avec de la roche, des têtes de roche, des courants qui se forment en bout de pointe et voilà, principalement okay. ce genre de spot. Donc pour résumer, Manon, les zones que tu affectionnes, c'est les pointes de roche, les têtes de roche immergées et les zones de fort courant. C'est ça. Très bien. Maintenant, quelles sont les espèces qu'on va retrouver ? J'imagine le bar, mais est-ce qu'il y en a d'autres bar, que tu convoites ? Il va y avoir de la vieille, forcément. Okay. C'est forcément le poisson. On s'amuse bien. Voilà. Okay. On va avoir du maquereau à la période estivale, okay. De la dorade grise, dorade okay. royale, un petit peu de pagre. On commence okay. à avoir un petit peu de pagre. Du chinchard. Très bien. Et du lieu. Ok. Donc quand même pas mal d'espèces. Ouais, d'espèces. Ok, très bien, excellent. Du coup, on n'a pas eu l'occasion de le préciser, mais je pratique aussi la pêche du bar en kayak, hein, tu le sais très bien. Ouais. Et pour le coup, moi, je pêche que le bar, et principalement sur des zones de sable, un peu différentes de toi. Je vais surtout trouver les poissons dans des zones où il y a peu de relief, des ridins de sable, et je vais chercher les concentrations de poissons grâce à l'électronique. Et sur les zones qu'on a en commun, bah, y a les pointes de roche et les têtes de roche immergées. Maintenant qu'on a un peu fait le tour des zones que tu pratiques, des espèces que tu convoites, on va passer un peu à la partie matérielle. Et puis on va un peu décrypter quels sont comment fonctionne un kayak de pêche, yes. comment ton kayak de pêche est équipé. Et voilà. Yes, c'est parti. Du coup, Manon, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton kayak ? Ouais. Donc moi, je pêche en hobby outback. Ok. C'est un bateau qui fait 3,89 m de long. Ok. Sachant qu'il y a une taille minimale hein, pour aller en mer. Voilà, 3,50 m. Ok. Après, ça va être un bateau qui va être assez dessiné en forme de carène. Enfin, la forme de carène va être assez dessinée pour la vitesse. Ok. Donc voilà, ça va être une petite sécurité supplémentaire ouais. Lorsqu'on a une mer un peu agitée. C'est un kayak qui pèse combien à peu près ? 47 kilos okay. à castiller. Ok. Parce que moi, j'ai un compas qui est un poil plus léger quand même. Ouais. Qui est plus compact. mais la légèreté fait aussi certains la avantages. La rapidité. Aussi, ouais, ouais. Voilà, après on va avoir un pédalier avec marche arrière. Ok, indispensable. Indispensable. Ouais, c'est clair. Et encore en termes de sécurité, c'est primordial, on va dire. Ok. Une trappe rectangulaire au milieu ouais. pour pouvoir mettre tous les petits accessoires, les boîtes de pêche. Ça aussi, je trouve que c'est quand même indispensable, c'est d'avoir un accès rapide quand tu es assis à ton poste de pêche. C'est ça. D'avoir un accès rapide à. Voilà, on sait qu'on n'a pas, besoin de se retourner, chercher quelque chose derrière, ouais. On a tout direct à portée de main. Il n'y a rien qui traîne, etc. Quoi. C'est ça. Ouais, on est d'accord. Tout peut partir facilement à l'eau ouais, quand ouais. on a un petit peu des choses éparpillées ouais. Partout. Après, bon, voilà, il y a un siège ouais. super confort. Oui. Personnellement, j'ai rajouté deux porte-cannes okay. à l'arrière. Okay. Pour avoir ouais. les cannes ouais. debout et non de profil, okay. de côté. Ok. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai des rehausseurs de cannes là, dans les supports ici. Et j'ai pas de support à l'épaladage. Je suis un peu un extrémiste du poids. Et donc, du coup, tout ce que j'ai pu enlever, à bord, c'est vraiment dépouillé. Quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, effectivement, une grande plateforme à l'arrière pour pouvoir. Il y en a qui mettent des viviers. Hein.
C'est ça. Ouais. Un bacane avec le reste du matériel, le pique-nique, une petite veste, quelque chose comme ça. Et deux, trois éléments de sécurité dont on parlera tout à l'heure. Aussi. Ouais. Une trappe à l'avant, ce qui permet de mettre un sac étanche avec, pourquoi pas, d'autres affaires. Oui. Une batterie quand on a l'électronique. Ouais. D'ailleurs, la batterie est souvent à l'avant. C'est ça. Ouais. C'est prévu pour, on va dire. Ok. Moi, c'est pareil, ma batterie, elle est à l'avant. Et puis, un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on évoquera tout à l'heure aussi, le gilet de sauvetage. Enfin, gilet là, sauvetage. Il est présent, donc j'y pense. Mais là, pareil, hors de question de sortir sans ce truc-là. Quoi. C'est toujours mieux. Voilà, on a un peu fait le tour. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta configuration, genre perso, quels sont les éléments qui sont pour toi indispensables, et pas forcément pour tout le monde, mais un peu comment tu vis à bord, quoi. Alors déjà, moi, ce que je conseille et ce que je fais, par rapport à si on est gaucher ou droitier, ah oui. Je vais principalement mettre tout ce qui va me gêner du côté où je ramène pas mon poisson, ouais. Pour avoir accès libre, permettre d'épuiseter le poisson correctement, oui. Ne pas m'emmêler dans des accessoires. C'est pour ça que là, je vais avoir l'électronique, ouais, d'un côté. Généralement, là, j'ai une perche GoPro qui vient là, donc ça me prend une bonne place. Ouais. Et le porte-canne, je le laisse un peu plus à l'avant pour avoir toute cette zone-là de libre, okay, pour gérer le poisson. Je comprends. Et je fais toujours dans le même sens. Je ne vais jamais ramener mon poisson côté gauche. Je vais toujours faire en sorte qu'il soit de l'autre côté, parce que c'est là où on fait des bêtises, ouais, et on fait pas les choses correctement. Mais ça me rassure ce que tu dis, parce que je suis exactement comme toi. Enfin, pareil, j'ai une zone sur laquelle je ramène mon poisson qui est plutôt à gauche. Mon électronique est à droite parce que le clavier tactile de l'écran, ouais, est à droite, comme je suis droitier. Et pareil, je ramène toujours mon poisson du côté gauche. Et pour le coup, à gauche, moi, j'ai vraiment rien, pas de support de canne, rien. Voilà, ça. Il faut pas, changer ses habitudes. Non. Moi, je sais où est mon épuisette, je sais où je dois mettre ma canne. Enfin, quand j'ai un poisson. Et voilà, c'est des automatismes qu'on acquiert au fur et à mesure de la pratique, mais effectivement, de se focaliser uniquement sur un côté et puis d'avoir une zone, comme tu dis, de réception. C'est ça, ouais. Et voilà. Après, pas trop surcharger son bateau non plus. On est d'accord. Voilà, le poids, c'est important. Oui. Faut pas oublier qu'on va tirer sur une plage de sable. donc voilà, le poids est important. On a tendance à vouloir trop amener au début, oui, et après on se rend vite compte que on sort 4 heures, ouais, et donc on peut faire du grand vide dans le matériel. Ouais. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je l'ai dit juste avant, hein, vraiment un extrémiste du poids, et parce que il faut pouvoir tirer son kayak, et puis forcément on va moins se fatiguer, faire plus de distance, etc. quoi. Donc même après 5 saisons, j'ai encore 2-3 trucs que je souhaite optimiser. Ce ne sera pas la chasse au poids, mais je sais qu'il y a 2-3 choses sur les supports notamment où je pourrais réduire mon poids, quoi. La batterie aussi, forcément. Ouais, la batterie, c'est un coût, mais on sait que les batteries au lithium, ça coûte cher, mais c'est... C'est à vie. C'est à vie, en plus. Mais c'est beaucoup plus léger, quoi, c'est ça que je voulais dire. Oui, aussi. Voilà. On divise le poids par deux, quoi. Ouais, c'est ouf. Ouais. À ce propos, maintenant, est-ce que tu peux juste nous montrer comment s'est conçu un Mirage Drive? Ouais, pas de souci. Alors... Là, tu déverrouilles. Petit loquet, pour déverrouiller. Tu sors le système. Donc, c'est ultra rapide. Ouais. Ça s'appelle un Mirage Drive, du coup. L'action, c'est comme la nage des pingouins. Ouais, donc, c'est pas un système rotatif. Pas, hein. C'est pas un système, on fait pas du vélo. Okay. Vous faites des steps. Donc, c'est un stepper. Okay. Vous poussez et vous ramenez. C'est ça. Et donc, toi, je remarque que tu as marche avant, marche arrière, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, pour passer à marche avant, marche arrière, faut tout le temps mettre ces deux pédales côte à côte, ouais, au même parce niveau. Que sinon les pales vont pas pouvoir se retourner, elles vont taper dans le bateau. Ouais. Et après rouge marche arrière, vert ouais, c'est marche ça. Avant. Tu tires là-dessus. Là elles sont en marche avant, on tire, ouais, c'est, elles ouais, passent c'est en royal. Marche arrière. 3 secondes, ouais. Voilà. Et petite question, toi tu as ce qu'on appelle le kick-up fin. Le kick-up, oui, donc ça sert si vous avez un obstacle, vous passez sur, vous n'avez pas vu, il y a une tête de roche, ouais. L'eau est trouble, on peut ne pas voir. Les pales vont se rétracter quand on va taper sur quelque chose et après se remettre en place toute seule, ouais, avec la pression de l'eau lorsqu'on va repédaler. Ouais, c'est facile. Voilà. Moi ça m'est arrivé une fois, enfin j'ai pas le kick-up fin, mais ça m'est arrivé une fois de plier une pale. Et là, heureusement j'avais ma pagaie, hein, mais sinon je pouvais pas rentrer, quoi. C'est ça, ouais, c'est une sécurité supplémentaire et c'est ce qui fait aussi la particularité des pédaliers de chez Hobie. La sécurité supplémentaire, la pagaie le fait de ne pas pouvoir casser le pédalier. Je comprends, parce que la pagaie, on ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi une... La pagaie, c'est obligatoire. On est d'accord. C'est votre moyen de rentrer si jamais vous arrive quelque chose avec votre pédalier. Ouais. Et donc du coup, pour le remettre dans le puits... Pour le remettre, vous avez juste à suivre les petits repères à l'intérieur.
poussées. Et je vous ai pas parlé, il y a des pales turbo aussi, donc elles sont beaucoup plus grandes que ceux qu'on peut trouver sur les bateaux d'entrée de gamme. Ok. Manon, c'est le moment d'évoquer la partie un peu électronique. Mmh. Comment s'alimenter, quel type d'écran tu utilises, enfin on utilise, je pourrais parler de ma configuration ensuite. Et puis la sonde, comment c'est conçu, comment c'est mis sous le bateau. Est-ce qu'on peut commencer par l'avant et le type de batterie qu'on peut avoir pour alimenter un écran? Oui, du coup, dans la trappe avant, on a un support en fait, de batterie qui se met directement dedans. Et ça va permettre de mettre la batterie. Donc il y a différents types de batteries. Toi, tu es un modèle nord-américain, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Okay. Ouais. Et qui vient des États-Unis, c'est une 20 ampères. Ok, ah ouais, c'est énorme. 20 ampères, c'est énorme, mais quand on a des sondeurs qui demandent de la puissance, ça descend vite. Ouais. Donc il faut, une puissance. C'est quoi à peu près? Ok, moi j'ai 12, ça me va aussi, mais parce que l'autonomie d'une batterie de 20 ampères, c'est quoi à peu près? C'est au moins 2 jours. Ça va dépendre de si on utilise énormément le sondeur. Ouais. Après, oui, 2 jours, oui, ça, voilà, okay. 2 jours, c'est bien. Moi, pour info, ma batterie de 12 ampères, si la batterie mettrait en direct, c'est à peu près une journée. Pour donner un ordre d'idée. Ouais, en général, c'est ça. Okay. Après, je vais avoir du tactile, tout oui, ça. Oui, 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 ça prend dans ce qui prend énormément d'énergie. Ouais, c'est ça. Et du lithium. Ok. Voilà. Okay. Ça, le poids. On est d'accord. On la sent presque pas. Ouais. Non, c'est chouette. Ton écran? Mon écran. C'est quelle taille? C'est un 7 pouces. Ok. C'est généralement ce qu'on retrouve le plus sur les bateaux. On va du 5 au 10 pouces maximum. Ouais. Pour les gros bateaux, 10 pouces, ça semble correct. Après, voilà, faut pas s'encombrer non plus. On est d'accord. Et pareil, il y a une notion de poids à prendre en compte. Moi, 7 pouces, écran tactile. Ça me permet de naviguer, chercher mes spots hyper rapidement. Ouais. Si je vois une petite, y a un petit plateau rocheux là, je me déplace très très vite sur la carte du GPS. Très bien. Moi pareil, j'ai un écran 7 pouces qui est un modèle un peu précédent à celui-ci, mais qui fonctionne super bien. Et pareil, 7 pouces, je trouvais que c'était la taille idéale, pas trop petit, pas trop grand. Je trouve que c'est le minimum à avoir. Oui, moi aussi. 5, ça fait vraiment petit. C'est petit, c'est un tout petit peu plus grand qu'un téléphone un téléphone portable. Donc le soleil, si on veut séparer les deux écrans. Effectivement. Quand tu dis séparer les deux écrans, c'est la carto. Mettre la carto les autres vues de. La carto ou. Voilà. Ok, d'accord. Carto et sonde. Ok. Du coup, en parlant de sonde, est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle sonde sur un kayak? Il y a différents modèles de kayak, enfin de gamme de kayak. Ouais. Et donc, sur les entrées de gamme, on va avoir un puits de sonde. Okay. Et on ne va pas pouvoir mettre de sonde à balayage latéral. Donc, ça va être que des sondes avec la vue sous le bateau. Oui. Et après, quand on monte en gamme, on a la possibilité, grâce à une plaque escamotable, de pouvoir mettre une sonde à balayage latéral. Ok. Sachant que pour la petite anecdote, moi j'ai quand même mis une sonde à balayage latéral, mais elle est fixée sur la plaque du puits de sonde. Voilà. Donc c'est un peu de la bricole, mais ça me permet d'avoir... Le seul inconvénient, c'est à l'arrivée de plage, il faut faire plus attention à la sonde. Exactement. En général, moi, je mets plutôt le chariot dans l'eau, mais des fois, quand il y a des rouleaux, etc., c'est pas évident, mais on a tous nos petites manies. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est tu me disais que tu renommes tous tes points. Ouais, moi, je renomme mes points pour gagner du temps, savoir quel type de poisson est sur tel type de point. S'il faut que j'y aille au baissant, au montant, ça marche. Toutes ces choses-là. Et moi, je suis un peu plus extrémiste, mais c'était un tip ce qu'on m'avait filé. Et en fait, j'ai des points de couleur. J'ai des zones avec des points bleus, c'est des zones où je sais que c'est plutôt à la montante. Ouais. J'ai des zones avec des points rouges, je sais que c'est plutôt à la descendante. Et en plus de cette couleur de points qui me permet de repérer les zones qui sont plutôt montantes ou descendantes, j'ajoute un chiffre, donc de 1 à 6, pour savoir si c'est la première heure du descendant ou la dernière heure du descendant. Et donc, du coup, je peux rapidement savoir, en fonction de l'heure qu'il est, si je dois aller sur une zone qui est pas très loin ou pas, quoi. Donc j'ai sur ma carte, j'ai des zones avec des points bleus, d'autres avec des points rouges. Et voilà, ça a mis du temps à se mettre en place, mais maintenant je gagne énormément de temps. Quoi. Ouais, et puis faut le faire dès qu'on rentre. Ouais, exactement. Faut le faire, sinon après on oublie. On est d'accord.
Donc maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de la partie électronique, alimentation et sonde, il y a un sujet que je voudrais évoquer, c'est la mise à l'eau. Donc on tire son kayak jusqu'à l'immerger, quoi, jusqu'à ce qu'il flotte. Et en général, le chariot est en dessous. Donc le chariot, c'est, en dessous, voilà. C'est ça, quoi. Ça, c'est des roues qui sont... Ils sont basse pression. Donc il n'y a pas de vessie dedans. Okay. C'est rempli d'air. Okay. Et l'avantage, c'est de permettre d'absorber tout ce qu'il y a sur votre chemin. Et donc du coup, on s'enfonce pas, ouais, on passe les cailloux. C'est plus léger, plus facile. Le sable, ça l'absorbe. Et du coup, on s'enfonce pas dans le sable, en fait. Donc ces roues-là, elles sont vraiment top. C'est des roues type sable. Ok. Donc une fois qu'on a retiré le chariot du de tout le kayak, quoi, il y a deux puits en fait pour pouvoir mettre son kayak. C'est ça, c'est des trous autovideurs, mais les trous qui servent aussi à mettre le chariot en place. Donc en position de navigation, on retourne son chariot. Excellent. Et on le met derrière le siège comme ça. Certains pourraient penser qu'il nous gêne ou qu'il y a une prise au vent, mais pas du tout. Il est derrière nous, derrière le siège. Ouais. On ne le sent pas, on ne le voit pas. Il ne nous dérange pas. Ok. Il y a un sujet que je voudrais évoquer avec toi, Manon, c'est les avantages de la pêche en kayak. Évidemment, je ne suis pas à convaincre, mais est-ce que tu peux nous donner un peu quelles sont, toi, les choses qui ont fait que tu es passé sur un kayak ? Il va y avoir le fait que on puisse se mettre à l'eau partout. Il n'y a pas besoin de cale de mise à l'eau. C'est vrai. Par rapport à un bateau, si je prends l'exemple du bateau, on peut se mettre à l'eau d'une plage, on peut prendre. Enfin, il n'y a pas besoin de payer des mises à l'eau. C'est vrai. Il y a un accès plus facile à l'eau quand même. Il y a un accès plus facile à l'eau et du coup à des spots moins pêchés. Moins exposés. On peut vraiment se mettre à l'eau de n'importe quelle plage. Ouais. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités de pêche. Oui. En navigation. En navigation, on peut se permettre d'aller sur les têtes de roche, de s'en approcher quand elles sont à moitié immergées. Et en silence. Et en silence. surtout en silence. En silence, ça favorise énormément la pêche, les dérives. Oui. On n'a pas besoin de faire des grands tours pour se replacer sur la dérive. On peut repasser dessus, en fait. On peut repasser dessus directement, on ne va pas effrayer le poisson. Forcément, si vous avez un mètre d'eau, on est d'accord. Mais sinon, 5 mètres, par exemple, il n'y a pas de problème. Vous pouvez repasser dessus, on se replace directement. Avec la marche arrière, des fois, il suffit de faire très peu de distance pour se replacer. Oui. On ne pollue pas. Ouais, pas d'empreinte pas d'empreinte carbone, entre guillemets, ça c'est vrai. Ça devient un peu important. Et il y a un autre truc que je voulais évoquer, c'est aussi la pêche à la traîne. Moi je sais que quand je vais d'une zone à une autre, par exemple, je laisse souvent traîner une ligne et c'est pas rare de prendre du poisson. Donc même si on n'est pas habile avec les dérives ou si on n'a pas de tête de roche ou qu'on veut juste longer la plage, des fois pour débuter la pêche en kayak, juste laisser traîner une ligne à l'arrière avec un leurre qui nage tout seul. Genre, c'est ça, et puis on peut pêcher aussi sans dérive. Quoi, hein, oui, bien sûr. Même juste lancer, ramener, tout simple. Si on sait appréhender un petit peu les zones. Et je t'avoue que moi, sur la partie avantage, c'était surtout le fait d'être hyper silencieux. Et puis, un bateau, ça coûte quand même, pas cher, mais ça a un certain coût, l'entretien, les assurances, mettre de l'essence, etc. Et voilà, donc moi, je t'avoue que c'était plutôt l'avantage nautique d'être silencieux et puis financier, quoi. Et on a l'avantage aussi de la légèreté. Par rapport à un bateau, là, la manutention, c'est très, très rapide en soi. Ouais. Vous prenez votre bateau, vous le tirez, vous l'amenez à l'eau et c'est fini. Il n'y a pas de le mettre. La mise à l'eau d'un bateau est beaucoup plus complexe que la mise à l'eau d'un kayak. C'est vraiment différent. Bon, on a fait le tour des avantages de la pêche en kayak. Hein. On a d'ailleurs choisi la pêche en kayak pour différentes raisons, mais qui sont pratiquement similaires. On va passer sur une partie qui intéresse. Les personnes qui nous suivent, c'est la partie matérielle. Succinctement, on va évoquer la partie canne, moulinet et puis leurre, forcément. Donc voilà, là il y a deux cannes, il y a la tienne et la mienne. Tac. Avec une différence flagrante, c'est la taille. La tienne est vachement courte, elle doit faire 6 pieds, quelque chose comme ça. C'est ça. Et la mienne, elle fait 7 pieds 2.
Et voilà. Rapide descriptif. Donc du coup une canne de 6 pieds, ouais. C'est une 8-28, on trouve généralement okay. plus des 7-28, ouais, ouais. Là c'est une 8-28, okay. Donc c'est voilà, la plage polyvalente on va ouais. dire, un moulinet en 2500, oui. J'aime bien pêcher léger, ouais. Donc ça se ressent dans oui. le matériel, ouais, ouais. Voilà. Après les cannes, je conseille quand même une canne un petit peu plus longue, 2 mètres 10. Oui. Voilà, c'est parce que bon, en kayak, c'est compliqué de trouver le matériel ouais. adéquat. Ouais. Moi, j'ai besoin d'un petit talon. Oui. On est vite gêné, on est assis. Ouais. Lorsqu'on veut animer, tout dépend des animations mm-hmm. qu'on fait, mais pour certaines animations, on est vite embêté par la longueur du talon. Et on ne trouve pas forcément ce qu'on veut, ce qu'on veut dans le commerce. Donc il faut faire un choix, soit c'est le talon, soit c'est la taille de la canne. mais après, ça ne m'embête pas plus que okay. ça. Du moment que j'arrive à faire à passer mon poisson ouais, devant, ouais, donc voilà, je ne suis pas embêté. Ouais. À partir du moment où on peut passer son poisson devant, il ouais. N'y a pas de problème. Il y a une possibilité qui offre la possibilité d'avoir tout ça en même temps, c'est le road building. Ouais, je vais y venir. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait avec, pareil, un talon hyper court, parce que des fois, ça se prend dans le gilet de sauvetage ou dans notre manteau. Enfin, bon, bref, ouais. c'est chiant. Donc, talon hyper court. Moi, la mienne, elle doit faire 7 pieds 2 et une puissance de 5,25. Moulinet en 2500, pareil. Un moulinet hyper léger, très light, Perfect Link ouais. Light de chez Fish. Et je pense que c'est la même chose que tu utilises. J'ai la médium. Ah, ok. Ouais, j'aime bien prendre des risques. ouais. Et sachant que y a le moulinette du frein qui est là aussi pour faire tampon. Mais moi, je sais que j'ai sorti des très, très, très beaux poissons avec la Tress Light. Donc, totale confiance. Et voilà. Et moi, je dois être à un ensemble qui doit faire 260 ou 270 grammes. Donc, c'est quand même ouais, hyper léger. Pas, moi, je sais pas exactement. Okay. Mais Et comme tu disais, la longueur, après, moi je trouve que c'est un poil court ce que tu as, mais c'est vrai qu'au moins de pouvoir avoir de l'aisance pour pouvoir passer devant, et voilà quoi. Donc c'est ça. Donc pour résumer, une canne aux alentours de 2 mètres, un ouais, moulinet en 2 mètres, 2500 ouais, luminé, c'est ça. Et une tresse relativement light. Quoi. Light ou medium, quoi, en fonction. Ok. On va passer au sujet qui nous intéresse énormément aussi, c'est la partie leurre. Je pêche beaucoup au Crazy Paddle Tail. Ok. Voilà, c'est. Tu fais une addiction. Un peu, on va dire. Et surtout la couleur, le coloris électrique blue. Ok. C'est ce qui marche relativement bien ici. D'accord. On est plus sur des couleurs vraiment bleues. Oui. Ou blanc pailleté comme ça. Donc j'ai pris le Black Minnow pour montrer l'exemple du blanc pailleté. Ouais. On a du poisson fourrage qui ressemble énormément D'accord. à ça. Lançon et oui. un peu anchois. Ouais. Les couleurs, quand on prend un bar et qu'il recrache un petit poisson, ça ressemble généralement à ça. Okay. Donc c'est quelque chose qui marche vachement bien, le blanc pailleté et le électrique blue. Voilà. Donc je pêche principalement au Crazy Paddle Tail, okay. Crazy Sandeel aussi. Oui. Voilà, quand on est dans un petit peu plus de courant. Je me souviens de belles images que tu nous as faites avec le Crazy Sandeel. Voilà, un petit peu plus de courant, une nage un petit peu plus tonique. Plus tonique. Ouais. Et là, version beaucoup plus lente. Moi aussi, j'ai eu mon addiction au Crazy Paddle Tail, je te rassure. Mais quand on. Voilà, quand. Au début, on va dire au début de la pêche, on est sur le Black Minnow oui. parce qu'on a peur de s'accrocher. Voilà, c'est les débuts, on va dire. Ouais. Et c'est un leurre qui marche tout le temps. Oui. Et après, plus on prend d'expérience, plus on fait les hameçons libérés et on passe au Crazy Paddle Tail. Ouais. Et là, on s'éclate. Quoi. c'est clair, la touche n'est pas la même, tout est différent. On s'amuse dans l'animation. Voilà. Ouais, on est un peu plus acteur de sa pêche. Quoi. C'est ça. Ouais, je comprends. On prend plus de plaisir, je trouve aussi. Donc je remarque que c'est quand même des petites tailles. Hein. Il y a un Black Minnow 120, ouais. Un Crazy Paddle Tail 120, il y a un Black Minnow 90, un Crazy 100. Donc en gros, on est dans cette tranche de taille. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien pêcher léger. Oui. Des fois, on ne peut pas toujours parce que le courant, il y a du courant, du fond, ça pousse, il faut descendre quand même. Mais généralement, quand je pêche les veines de courant en bordure, je pêche en 120 maximum. Ok. 120 maximum pour le Crazy. Ouais. Et après, Black Minnow, généralement, c'est quand même du 90. Ok. Que je mets. C'est ce qui ressemble au poisson fourrage d'ici. Ouais, je comprends. Ok. Moi, j'ai un peu tendance à surplomber.
et j'utilise des leurres un peu plus gros. Bah, alors, en début de saison, forcément, j'utilise plutôt des petits leurres, un peu comme toi, mais très rapidement, je monte en taille. Et moi je vais jusqu'au Crazy 180. Alors j'utilise pas cette canne là, une autre, mais sur des zones où il y a parfois 12 mètres, il y a vraiment beaucoup de jus, je peux monter jusqu'au Crazy 180 ou Black Minnow 140 quoi. Ouais, dans ma boîte de pêche c'est principalement ces tailles là, donc c'est vraiment similaire. Et dans les coloris pareil, plutôt bleu, kaki, or. Ouais, tout ce qui reste naturel. Ouais, en voilà. Fait. Moi j'ai pas trop de fantaisie. Bah comme je disais, moi j'ai tendance un petit peu à pêcher un peu surplombé, donc j'utilise des leurres Black Minnow 120 avec la tête de 25 grammes, même dans des profondeurs d'eau de 7 à 10 mètres, hein, j'hésite pas à plomber assez lourd quoi. Black Minnow 140 avec la tête de 20 grammes, le Crazy Paddle Tail avec la tête de 20 grammes aussi, mais même ça, comme je disais juste avant, dans des profondeurs de 7 à 12 mètres, j'hésite pas à mettre 20 grammes. Et donc voilà, donc c'est des leurres qui sont un peu plus lourds que les tiens. Là j'ai trois coloris kaki, mais j'utilise des coloris qui sont plutôt kaki, or, electric blue. Voilà, donc c'est des coloris très naturels, il n'y a pas trop de fantaisie. Et après dans les leurres, j'ai aussi des choses qui sont très similaires à toi, notamment Black Minnow 90 avec la tête de 20 grammes, parce que forcément j'aime bien pêcher plombé. Et sur des zones où il y a vraiment du sable et pas beaucoup d'eau, et bah, tout ce qui est toute petite taille, mais aussi la tête short sur le Crazy Sandhill, Crazy Paddle Tail. Et puis depuis de nombreux mois, depuis plus d'un an et demi, l'hypnocast que tu n'as pas encore testé, mais hâte de le mettre à l'eau. Et là pareil dans les chasses de bar sur moi des profondeurs pareil, en gros chez moi c'est tout le temps entre 7 et 12 mètres à peu près. Voilà l'hypnocast en 10 ou en 20 grammes, et c'est vraiment trippant quoi. Donc voilà, et un peu de pêche de surface aussi, voilà. Et on a la chance d'avoir le biotopstick qui va arriver, et puis d'autres projets aussi qui sont en cours de développement chez Fish, mais un peu de pêche de surface les soirs d'été. Ouais. Voilà. Donc maintenant, autre sujet important, c'est bien préparer sa sortie. C'est important de bien connaître ses limites, de bien connaître les conditions dans lesquelles on peut sortir. Est-ce que tu peux nous évoquer déjà les points importants que tu vas checker avant de sortir en mer? Alors ce qu'il faut prendre en compte principalement c'est la météo. On est d'accord. Forcément. Ouais. Regardez, enfin moi j'utilise principalement météo marine. Ok. Et je mets directement l'endroit de mon spot où je vais. Je regarde la direction du vent, si je vais être abrité. Combien il y a de vent en rafale. Ouais. Je regarde plus les rafales que le vent constant. Ouais. Parce que c'est quoi ta limite? Je pousse un peu. Ouais. T'es un peu téméraire. Je vais me dire ça passe. Ouais. Ça passe, hein, mais il faut faire attention. Ouais. Après, 15 nœuds en rafale. Ouais, on est d'accord. 15 nœuds en rafale. Moi je suis à peu près pareil. Maximum. Ouais, ouais. Et puis s'assurer que le vent forcit pas non plus. Voilà, il faut faire toujours attention, ça peut changer vraiment en 10 secondes, on peut se retrouver dans une tempête. Voilà, c'est pas notre élément, faut pas l'oublier. Ça va très vite. Un truc qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est de sortir à deux si possible, enfin au moins à deux. C'est quand même un élément de sécurité supplémentaire. Sortir à deux, c'est sûr. On est plus rassuré déjà, on prend plus de confiance sur l'eau. Et puis voilà, on peut s'aider si jamais il y a un problème. Même aux mises à l'eau, aux sorties, aux sorties d'eau, on peut s'aider et c'est plus convivial. Ouais, c'est clair. C'est plus convivial. Donc la météo, premier point. Le vent, la houle, du coup, dans la météo. Ouais. La houle, pareil, faut pas 0,50, déjà, c'est pas mal. Ouais, on est d'accord. Ouais. La marée? La marée, ça dépend nos spots aussi, si on va le pêcher au montant ou au baissant. Ouais. Ici, j'ai des spots plutôt au montant, qui pêchent au montant. Et je fais généralement fin de baissant, début de montant. Ok. Ou, après, ça va dépendre vraiment du spot type.
Si je sais que ça va pêcher à telle heure du montant, je vais y aller un tout petit peu avant pour me mettre en condition, être sur le spot au bon moment. Ça demande un peu d'expérience quand même de savoir si c'est plutôt montant ou descendant. Il va falloir passer du temps sur l'eau, quoi. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Il faut poncer sa zone. Oui. Ouais. Poncer sa zone, ouais. Comprendre ce qui fonctionne, à quel moment. Ne pas hésiter à écouter aussi les personnes qui ont de l'expérience sur place. Qui pêche ici et il y a du bon et du pas bon, hein, mais grâce à ça, se faire sa propre expérience aussi. Ok. Donc, pour résumer, bien préparer sa sortie, c'est dans un premier lieu la météo. La météo, c'est ce qui va déterminer le fait qu'on sorte ou non. Ouais. La marée, la houle. Ouais. Et un autre point qu'on n'a pas évoqué, moi je préviens souvent quelqu'un si je suis tout seul. Je sors presque jamais tout seul. Ok, d'accord. Mais oui, c'est prévenir quelqu'un c'est d'où bien. Est-ce qu'on arrête. Ouais, c'est, voilà. Et puis voilà. Manon, dernier sujet qu'on doit évoquer, le sujet de la sécurité. J'ai le sourire aux lèvres, mais c'est vraiment un sujet sérieux. Il y a différents éléments de sécurité qui sont presque, ou voire incontournables. Ouais. En premier lieu, gilet sauvetage. On est d'accord. C'est primordial. C'est pas négociable. C'est vraiment important. Oui. Hein, on n'est pas maître des éléments naturels, on va dire. C'est super important. Même sur des fois des petits mauvais gestes, on peut vite se retrouver à l'eau. On ne sait pas, on fait un malaise, quelque chose. Hein, oui. Le gilet, il vous sauve. Ouais. Une fois, j'avais oublié mon gilet et je suis pas allé en mer. On n'est pas serein. Non, j'étais pas serein. Je suis tellement habitué à l'avoir, comme la ceinture de sécurité, tu vois, que... Ouais. Et une autre fois, je l'ai fait tomber dans l'eau aussi. Donc, pareil, j'étais pas sorti. Il y a un autre élément qui n'est pas obligatoire, mais qui est, moi, je trouve hyper important aussi parce que je pêche tout seul. VHF ou moyen de communication. Ça reste important. Quand on est tout seul, c'est vraiment essentiel. Ouais. Après, même pour quand on est plusieurs, on se sépare. Ça permet de communiquer. Il faut pouvoir, si on tombe à l'eau, appeler quelqu'un si on n'est pas bien. On est et il faut surtout le laisser sur son gilet et non pas le poser dans le bateau que si vous tombez, vous ne l'avez plus avec vous. Moi, il est accroché à mon gilet. Voilà, accroché au gilet. Ou si on n'a pas de VHF, téléphone portable dans pochette étanche. On est d'accord. Qu'on a sur soi pour pouvoir joindre quelqu'un. Ouais. Autre élément de sécurité indispensable, voire obligatoire, c'est la pagaie. Donc la pagaie, c'est l'élément qui va nous permettre de rentrer à terre si jamais il nous arrive quoi que ce soit avec le pédalier. C'est quand même très très rare. Ça arrive. On est d'accord. Moi, j'ai jamais entendu dire. Il faut toujours prendre en compte le petit pourcentage de risque. Ouais. À avoir absolument à bord. Ok. Autre élément, un bout de remorquage. Bout de remorquage. Ouais. Moi, je sais que j'en ai un à l'avant, dans la trappe avant. Moi, je mets à l'arrière, comme d'accord. ça, voilà, l'accès est facile. Oui. Il faut qu'il fasse minimum la longueur de votre bateau. C'est vrai. Si jamais vous avez besoin de vous faire remorquer, il est nécessaire. Ouais. À ces éléments de sécurité, on peut quand même ajouter lunettes de soleil, crème solaire. Ouais, protection solaire, que ce soit aussi bien des manches longues ou... je sais que j'utilise souvent des manches longues. Petit lycra UV, c'est le top. On n'a pas chaud, on n'a pas froid, ça nous coupe du vent, du soleil. Ouais. C'est le top. Casquette ou chapeau. Casquette ou chapeau. Faire attention. Ouais. Bon, Manon, c'est le moment de conclure. On a balayé de nombreux sujets, aussi bien sur les avantages de la pêche en kayak, comment préparer sa sortie, les types de matériel qu'on utilise, l'électronique marine, etc., la sécurité pour finir. C'est le moment de te remercier de nous avoir accueillis ici dans le showroom de Propulsion Sailing à la Richardet près de Saint-Malo. Merci à vous. Merci à toi aussi, c'est réciproque. C'est le moment de conclure ce troisième épisode de Fish and Tips. On espère que tous les sujets qu'on aura évoqués auront plu les utilisateurs et puis leur proposer aussi de nous poser leurs questions, de nous poser leurs questions dans les commentaires s'ils en ont, et puis de leur souhaiter une bonne saison, et à toi aussi. Merci, toi aussi, et bonne saison à tout le monde. Bonne saison, et on se retrouve pour un quatrième épisode de Fish and Tips très prochainement. À bientôt.